L'exigence en termes de qualité sonore aujourd'hui est tellement élevée que les studios sont obligés en fait de s'équiper d'un matériel haut de gamme, voire très haut de gamme. C'est pour ça que nous, au Studio Amphore, on s'est équipé avec un Pro Tools HD. Pro Tools en fait nous apporte une puissance de mixage énorme, car c'est un logiciel qui fonctionne sur carte DSP. Donc tous les calculs audio sont faits sur ces cartes et non sur le processeur de l'ordinateur en fait. Accouplé en fait avec une table Neve AMEC Einstein. Autant avant on pouvait se permettre d'enregistrer une maquette dans son garage, autant maintenant le niveau est devenu tellement élevé et les professionnels tellement exigeants qu'on est obligé de fournir aux gens une qualité sonore irréprochable. Et c'est ce que nous, on arrive à fournir au studio Amphore. De par notre expérience avec les maisons de disques, qu'on réapproprie au groupe amateur, on fait profiter de notre expérience à ces gens-là. Donc le studio est plus spécialisé dans le style pop-rock. Pop-rock au sens large du terme, hein, ça peut aller de la pop variété. Chansons françaises, au rock un peu plus dur, voire même métal. On a aussi fait beaucoup de raga, passé un moment, donc avec un DJ lyonnais d'ailleurs, DJ Serenity, qui a sorti deux albums qui ont été enregistrés, mixés et masterisés au studio. On fait maintenant beaucoup de productions aussi d'artistes lyonnais. On a participé aux pré-productions et à l'enregistrement de l'album de Mos, artiste Universal Mercury. On a aussi participé à la production de Anna M, artiste lyonnaise, villeurbanaise plus précisément, classée dans le style chanson électro, qui a enregistré son album en 2006 et qui est sorti exactement le 17 janvier. Ainsi que la production de Charlie. Charlie, c'est une nouvelle artiste aussi classée dans le style pop. Artiste lyonnaise, de grand talent avec une très belle voix d'ailleurs.